Le foyer polyvalent de Sassandra a servi de cadre au lancement officiel de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans la région du Boclet. 590 agents de l'Institut national de la statistique sont mobilisés pour couvrir la région du Boclet. Le préfet de Sassandra, les élus et les cadres ont saisi cette occasion pour expliquer aux populations le bien fondé de cette opération. Pour avoir un hôpital, un centre de santé, il faut quand même créer des critères pour qu'il y ait des ordres. On ne peut pas mettre un centre de santé dans un village où il n'y avait personne. Ce n'est pas possible. Alors, comprenez que vous ne pouvez pas jouer pour celui qui aime la religion et qui aime chez lui, il ne peut pas s'amuser. À ne pas se faire essentiel. Si à Sandra, on voit qu'il y a près de 2 millions ou 1 million d'habitants, ça peut nous empêcher, ça peut faire qu'on peut créer des pharmacies, arranger la côtière. Et puis, ce n'est pas seulement une histoire politique. Vraiment, je sais pas, j'invite toute la population à s'identifier parce que c'est pour le bien-être de chacun. La population du Boclet est estimée à près de 507 000 habitants.